73, bienvenue, on se retrouve pour une exclusivité. Bon, c'est la première fois que vous allez voir cet appareil, on va l'ouvrir ensemble. Allez, c'est parti. Alors bien sûr, c'est du DMR. Voilà, je vous montre vite fait. Voilà, allez, c'est parti. Voici une boîte habituelle. Vocodeur, bon voilà, digital logique compatible. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Bon, en fait, non, il n'y a pas trop d'informations sur la boîte. Bon. Documentation. Donc voilà, petite documentation habituelle. Bon, on en fait comme d'habitude, hein. Soyez pas sûr. Et c'est parti. Voilà l'appareil. Voilà. Donc, bon, ça ressemble un peu à un RT3S. On va regarder les micros. Et USB ici. Je vous montre. USB, c'est pas trop mal. Voilà. USB. Donc c'est assez sympa. Voilà. Donc l'appareil, si vous voulez plus d'infos, il y a une lumière. D'accord. Ah, donc je vous montre vite fait l'écran. Setting. Voilà. Bon, c'est des trucs habituels. Hein. Rien d'exceptionnel. On va regarder la batterie quand même. Alors la batterie. Hop. Donc la batterie. Qu'est-ce que c'est comme batterie? Donc voilà, c'est du donc le DM1706, la batterie c'est du 7,4 volts, 2200 mAh. Et qu'est-ce qu'il y a de marqué là-dessus? Hop, 5 watts. Donc je ferai un test, le DM1706, je ferai un test prochainement si vous voulez. Voilà, ça sera avec grand plaisir. Mettez dans les commentaires. Vous voulez un test un peu plus approfondi, simplement là c'était le petit déballage, le petit unboxing. Franchement, elle a l'air bien. Si vous voulez le lien dans la description, je vous mets le lien. La prise en main est correcte. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, ça c'est quoi? Le câble de programmation qui est avec. Je vous montre le câble de programmation. Voilà, ok. Câble de programmation, bien sûr, habituel. Et une antenne. Bon, c'est une antenne certainement bibande. Je vais essayer de vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc, fréquence habituelle, hein, 136, 174. Et puis, 400, 520. Voilà. Hop. Donc, l'antenne. Ouais, le design est pas mal. Faudra prévoir en USB ce que ça donne pour le charger. Un design un peu spécifique, ça change un peu. Voilà, bon après c'est assez léger. Alors le kit oreillette bien sûr, le chargeur, hop, avec ce qui va bien pour sur le 220, ça peut être pratique. Voilà, bon, c'est à moitié de travers. Ouais, c'est à moitié de travers quand on le met. Alors, je vais remettre. Ah oui, là c'est un peu plus droit. Voilà, n'hésitez pas à liker donc le clip ceinture, le socle de charge et bien sûr la dragonne. Voilà, 73 à tous. Si vous voulez un peu plus d'essai, n'hésitez pas à me le demander. Donc c'est du DMR. N'hésitez pas. Donc oui, bah, c'est le analogique zone. Ouais, n'hésitez pas du tout à me demander des informations particulières sur cet appareil. Ça sera avec grand plaisir que je ferai des essais complémentaires. Bien sûr, demandez, hein, si ça ne vous intéresse pas, bah, demandez pas. Voilà, à très bientôt, 73.